Excusez-moi, les enfants, j'étais parti sur les hauteurs de Paris. J'étais sur la montagne de Vanves, alors que je dois me retrouver à Issy-les-Moulineaux. Donc, vous avez situé, nous sommes dans les Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, où nous allons faire une émission avec un très beau chef. Vous allez voir, qui s'appelle Jean-Christophe Lebacle. Il a été décoré, il y a quelques semaines, du beau ruban bleu de l'Ordre National du Mérite. Et c'est avec lui que l'on va faire, on va trousser un peu la gourmandise de cette petite ville qui s'appelle Issy-les-Moulineaux. Il est en train de faire le marché, parce que le marché existe ici en fin de journée. Vous allez voir, et après je le retrouve, j'ai rendez-vous avec lui dans une brasserie. On se retrouve dans quelques instants. Salut Jocelyn, tu vas bien? Salut Jean-Christophe, bien et toi? Super, super. Alors, t'as un petit cajou pour moi? Ouais, j'en ai. Regarde, c'est joli ces petits navets. Oh, tiens, magnifique, allez. Magnifique. Allez, on ira. Bah, on va se faire un petit peu tous ces petits légumes, les petites carottes. Alors choisis, hein, tu m'en veux pas? Non, je trie. Hein. Ah, super. Alors ça, c'est magnifique, ça, des petits radis blancs comme ça. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est vrai, j'en ai pas tout le temps. Et bien sûr, un peu d'asperges en pleine saison. Un peu d'asperges. Choisis. Allez. Quelques petites. Blanche, ah, des petits pois, voilà. Regarde, ils ont l'air vraiment d'être bien, bien pleins, tes petits pois. Hein, hein? Ouais, ils sont magnifiques. Ah, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'adore goûter ça quand c'est un peu cru comme ça. Allez, parfait. Bon, je continue ma gousse. Hein. Tu profites. Et une botte d'oignon blanc aussi. Hop, je la pose. Bon, ben bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour et on est vraiment, on est bien là. Bon, merci beaucoup. Bon, bon. Et à mardi prochain. Ok. Salut. Rideau rouge. Voilà. Bien le bonjour, monsieur Patrick. Comment ça va? Quelle surprise. Le Don Juan d'ici, les Boulineaux. Comment vas-tu? Oh, je vais très, très Don bien. Don Juan du vin. Parce que tu tiens un joli bistrot à vin ici, dans cette ville d'ici, les Boulineaux, face à la mairie. Quand on te voit, on n'a qu'une envie, c'est de penser à l'Aveyron. Parce que ce sont toujours les Aveyronnais hein, qui tiennent les beaux bistrots. Non, c'est oui. À peu près ça? Oui, c'est à peu près ça. Alors, tu sais qui on attend? Le beau Jean-Christophe Lebacle. Ouais, ouais. J'arrive du marché. Bonjour. Comment vas-tu? Très, très bien. Je t'embrasse. Au fait, comment on appelle les gens d'ici, les Boulineaux? Les Isséens. Les Isséens. Les Isséens. J'ai beaucoup aimé ta petite affiche. Ici, le vin est frais. Oui. Il y a une faute d'orthographe. Oui. À Issy. Et mieux vaut le vin d'ici que l'au-delà. Ah, c'est pas mal. C'est pas de moi, mais je la tiens, celle-là. Bon. Il est fort, ce Patrick, il est fort. Et à mon avis, toi, tu désertes tes cuisines uniquement pour te balader sur le marché. Bah, j'adore venir au marché, qui est extraordinaire. Et puis, t'arrives... Mais je crois qu'en fin de compte, c'est Patrick et son bistrot, c'est une excuse. Oui. Parce que le marché, j'y passe 3 minutes, mais ici, on y passe toujours 3 heures. Ah oui, et là, quand même... On a une preuve, c'est quand le beurre est frais comme ça avec le jambon, on a l'impression qu'on est en train de croquer la province, là. C'est quand même sensationnel, ça. C'est un petit coin de province, ouais. Alors donc, ici, quand tu fais ton marché, ce sont des marchés du soir, c'est ça? C'est le marché du soir, parce que notre très cher maire, oui. Monsieur Santini... André. André. Il est où, André? D'ailleurs, il est où, André? Ah, regarde, voilà. On parle de moi, ici. On parle de vous, Et voici Don Juan qui arrive, voilà. Quel Auguste, c'est lui. Bonjour, monsieur le maire, comment ça va? Monsieur député Jean-Luc. Maire, André Santini. Vous avez vu le patron? Oui, oh, voilà. Il est là. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, cette ville, parce que vous avez été le premier à faire un marché du soir. Marché du soir, c'est merveilleux. Oui, oui, oui. Pour tous les gens qui travaillent la journée, à 17h, 18h, les gens sortent du boulot, vont faire un petit tour de marché. Jusqu'à 20h, voilà. Ça marche très bien. Très, très bien. Parce qu'on a toujours eu cette habitude de faire le marché le matin, il n'y a personne. Pour les rentiers. Oui. Mais les gens qui travaillent, quand peuvent-ils aller au marché? Eh bien, le soir, en partant. Et voilà. C'est une ville de travailleurs, ici, les Moulineaux. Ville de travailleurs. Et d'ailleurs, regarde. Enfin, regardez, voilà. Messieurs, voici, pardon. Regarde. Nathalie, la belle Nathalie, viens avec nous, viens avec nous. La belle Nathalie. La belle Nathalie. Nathalie Quatre-Hommes. Alors, raconte-nous ce que tu as apporté, toi, alors.
un plateau de saison, printemps-été, majoritairement de chèvres. Oui. Donc là, on a un petit chèvre du Languedoc, le Saint-Nicolas. Là, on a une petite tome de la fromagerie de Bannon. Donc là, on est un peu plus bas, vers les Alpes-de-Haute-Provence. Baie et un petit peu d'huile d'olive sur du pain grillé, c'est délicieux pour l'été. Là, on a un chèvre un peu plus sec, qui s'appelle le Palais de Chartreuse. Mais moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Le brie double au pistache. C'est une des spécialités de la maison. Oui. Et c'est donc un brie double qui est fourré au pistache en son centre. Qu'apporte la pistache dans le brie? Un peu de croquant. Un peu de croquant. Voilà. On sait quand on met la truffe à l'intérieur de l'hiver, c'est différent. Exactement. Mais la pistache apporte aussi les mêmes choses ou c'est le croquant uniquement? Ah, ben c'est le croquant et puis les saveurs qui se marient bien avec le brie. Très bien, très bien. Redis-nous ton nom parce qu'il est joli. Et il flambe bien ici au comptoir de ce bistrot de Patrick, au cœur d'ici les Boudinots. Et voilà. Mademoiselle Quatre-Hommes. Mademoiselle Quatre-Hommes, prénom ? Nathalie. Alors, il y a un personnage quand même, parce qu'il faut le dire. Ici, c'est Yves Legrand. Oh là là, Yves. Alors, Yves Legrand. Encore une dynastie. Encore une dynastie. Oui, mais alors, il a le côté Yves Legrand. Alors, Yves Legrand, le grand professeur du vin. D'ailleurs, regardez, il est bac plus 25. C'est le seul à ici les Boulidos. Bac plus 25, 25 années d'études autour du vin. Bon, les caves sont dans les crayères de parce que ici c'est une sorte de ventre calcaire, quoi. C'est un gruyère ici. C'est un gruyère calcaire, voilà, dans lequel on a fait pousser les champignons de Paris. Hein, c'est ça aussi l'histoire. On avait les champignonnières autrefois. Et toi? Quand même, il y a un truc, juste avant cette émission, tu as passé un petit coup de fil à Yves Legrand, tu lui as dit... Yves, il y a Jean-Luc qui arrive, est-ce que tu n'as pas quelques vins d'ici les Moulineaux à les faire déguster? Et donc Yves nous fait un immense honneur de nous amener les 18 millisimes de l'existence de la vigne. Alors là, ils sont là. Les 18 sont là, alignés comme des... Alignés comme des petits soldats. Alors, il y a quand même quelques mots. Il y a des histoires là. Vigne d'ici les Moulineaux. On la resitue géographiquement, c'est par rapport à la commune, c'est. C'est sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. C'est-à-dire, ça borde Meudon. C'est près de Meudon, oui. Alors, ce qu'il y a d'amusant sur vos bouteilles, c'est qu'on va les regarder. Regardez ça. Il y a à chaque fois des étiquettes qui sont très drôles. Les étiquettes ici sont dessinées par les élèves des écoles de la municipalité. L'école Douaneau, par exemple. L'école Douaneau, voilà. Bravo l'artiste. Donc, à chaque fois que tu vas faire ton marché, on peut le dire, sur les marchés du soir, tu viens toujours casser la croûte ici. Il y a toujours un truc à lui faire goûter, que ce soit le boudin poêlé avec les petits oignons frits, ou alors cette magnifique terrine. Raconte-moi, c'est quoi, Patrick, cette terrine? Ça, c'est une terrine de volaille. Terrine de volaille. Maison. Évidemment. Fabriquée maison, mais celle-ci, elle a une histoire. Ah. Oui, pour quelle raison? Parce que le foie de volaille, la personne qui l'a fait n'a pas su ce que c'était. En fait, c'est du foie de veau. C'est du foie de veau. C'est une terrine de foie de veau. C'est une terrine de foie de veau. Ça, c'est rare. Très, très rare. Voici Joachim. Voilà. Alors, regarde ce qu'il a fait. Alors, Joachim, il va nous expliquer ce qu'il a fait. Cochon fermier. Oui. Qui est cuit à basse température. À température juste, exactement. Avec des petits légumes. Ah, attends. Température juste. Raconte au professeur Lebacle ce que ça veut dire. Température juste. Mon élève qui raconte au professeur, c'est merveilleux, ça. Non, mais c'est merveilleux, l'élève au professeur. Non, mais les aiguilles tournent. Et alors, température juste? Température juste, ça cuit très 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 longtemps, en bain-marie. Voilà. 18 heures, celle-ci. 18 heures. 18 heures, et donc c'est toi qui restes là pendant 18 Exactement. Heures à la surveiller. On se relaie. Qui surveille, tu te relais. On se relaie, monsieur. Ah, c'est dur ici. Tu redescends, comme tout Aveyronnais, tu habites au-dessus de ton bistrot, au-dessus du comptoir, et de temps en temps, au milieu de la nuit, caisse. Avec... Au-dessus de la caisse. Au-dessus de la caisse. Au-dessus de la caisse, bien sûr. Avec le bonnet de nuit blanc et le pyjama rayé, il redescend avec ses patoches aux pieds. Et il vient voir le gras du gras. Voilà. Et ça, c'est du cochon qui vient d'Auvergne. Très Il vient du Cantal. Du Cantal. Voilà. Ah, tu as accepté un produit qui vient du Cantal en tant qu'Aveyronnais. Ça vient du Pays Basque. C'est Christian Parra, qui est un homme. Christian Parra, magnifique, le boudin, oui. Ce jambon, lui, vient du Pays Basque. Oui. Espagnol. Comme quoi? Comme espagnol. Ah, espagnol, t'es passé les Pyrénées. La saucisse vient de l'Aïole. Ça, c'est un jambon de montagne qui vient des Pyrénées. Mm-hmm. C'est les culs noirs, là, les fameux culs noirs. Et voilà, tout. Et puis, parce que je suis obligé de parler de ma fille. Parce que ma fille, c'est une future cuisinière. Et puis, je suis pas peu fier. Alors, elle s'appelle comment? Ça, c'est des petites. Elle s'appelle Camille. Ce sont ces petites madeleines. Les madeleines de Camille. Les petites madeleines de Camille. Oui. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez? On va pousser ça chez les éditeurs. C'est du Proust. Exactement, on se croirait chez Proust.
on continue notre chemin. On va Monsieur continuer. Bacle. On va continuer avec les recettes de légumes. Et je pense que je prendrai les petits fromages là. Comment s'appelle ce chèvre suisse déjà? J'ai oublié. Le palais de Chartreux. Je prendrai le palais de Chartreux pour mettre en copeaux sur les petits légumes, petites recettes de légumes qu'on va faire. Hein? Et si vous croisez un homme qui a des bouteilles sous les bras, à travers les rues d'ici les Moulineaux en train de hurler, vous saurez que c'était Yves Legrand. Il est déjà reparti chez lui parce qu'il a une dégustation sur les vins d'ici les Moulineaux, avec toutes les bouteilles qu'il nous avait apportées, mais il avait du boulot. Il est reparti. On y va? On y va.